votre émission Plénitude de Dieu. Aujourd'hui, nous achevons le thème que nous avons commencé la dernière fois, le repos de Dieu. Et nous avons lu un texte très marquant dans le livre d'Exode, pardon, chapitre 33, verset 14. La Bible dit dans Exode 33, verset 14, que nous avons lu la dernière fois déjà, « L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Le Seigneur dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est marquant que le Seigneur présente sa présence comme étant la condition sine qua non pour le repos. Il dit, « Je marcherai moi-même avec toi, j'irai avec toi, parce que je connais tout ce par quoi vous allez passer dans ce monde. » Il dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » À moins que sa présence soit là, ça nous rappelle ce texte où le prophète Moïse dit, à moins que ta présence aille avec nous, moi je n'irai pas. Parce que Moïse, mieux que les autres en Israël, la Bible dit qu'il a révélé ses voies à Moïse. Il a révélé ses actes au peuple d'Israël. C'est plus important de connaître ses voies que de connaître ses actes. C'est plus important d'avoir la parole de Dieu que de rechercher les œuvres de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu n'ont pas la capacité de changer l'état de ton âme. Israël a vu les œuvres les plus terribles de Dieu. Israël a vu de la nourriture physique tomber du ciel. Israël a vu de l'eau sortir du rocher. Israël a vu de l'eau amère devenir de l'eau potable. Israël a vu la mer rouge s'ouvrir. Israël a vu toute une muraille qui contenait les maisons s'écrouler sans le secours d'une main humaine. Mais ça n'a pas empêché qu'Israël se prostitue devant d'autres dieux. Donc les actes de Dieu ne changent pas un homme. Si les actes de Dieu changeaient un homme, nos églises remplies de miracles. Et j'aime les miracles. Je les désire de tout mon être. Je les aime tellement que je prie pour ça chaque fois que j'envoie. Et par sa grâce, nous envoyons tous les jours de toute catégorie. De toute catégorie, vraiment de toute catégorie. Chaque fois que j'envoie mon âme frémit. Mais les actes de Dieu n'ont pas la capacité de changer l'âme de quelqu'un. Seule sa parole. Seule sa parole. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Maintenant, c'est marquant, le prophète Amos vient, je vais lire ça, Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. C'est important qu'au début d'une année comme celle-ci, bien aimé, cette année glorieuse, c'est important qu'au début d'une année comme celle-ci, que nous nous donnions la peine, comme chrétiens, de nous asseoir, gloire à Dieu pour ceux qui me visionnent, de nous asseoir et d'étudier la parole. Je prie tellement que ce canal Gospel TV 2 devienne le moyen par lequel tout au long de cette année, nous nous asseyons, nous étudions la parole. Pas à pas, ensemble, 12 mois durant, que nous étudions la parole. Bien aimé, l'église doit rentrer dans la parole. La Bible dit au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Quand la parole est rare et les visions ne sont pas fréquentes, la Bible dit, sans vision, le peuple périt. La Bible dit, mon peuple périt, pas parce qu'il y a trop de démons. Dieu ne dit pas mon peuple périt à cause de trop de démons. Mon peuple périt à cause de trop de sorcellerie. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Quelle connaissance? La Bible dit, Ésaïe chapitre 11, verset 9, à la fin des temps, la connaissance sera tellement grande. Elle va être grande comme les eaux recouvrent le fond des mers. La Bible dit, ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne saine, car la connaissance de Dieu remplira les nations comme les eaux recouvrent le fond des océans. Donc c'est la connaissance de Dieu qui exempte ta vie de tort, et de dommage. C'est la connaissance de Dieu qui exempte ta vie de trouble. C'est la connaissance de Dieu qui commande le repos dans ta vie. Le repos de Dieu. Il dit, je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. À moins qu'il aille avec nous, à moins qu'il aille avec toi, il n'y a pas moyen que tu aies du repos. Parce que face aux diverses tribulations, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ne vous inquiétez de rien, j'ai triomphé du monde. Ça veut dire, à moins qu'il aille avec nous, à moins qu'il aille avec toi, parce qu'il demeure déjà en toi, à moins que sa présence soit avec toi, les tribulations vont triompher de toi. C'est très important que tu recherches sa présence. Mais maintenant, qu'est-ce que Amos dit concernant la présence de Dieu? Amos chapitre 3, verset 3. Il dit deux hommes, et la Bible dit Jésus-Christ homme. Il dit deux hommes ne marchent ensemble sans être en accord. Impossible. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, bien-aimé, nous parlons du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, avec son corps céleste, est à la droite de Dieu le Père.
Celui qui est sur terre en son nom, le Père vous l'enverra en mon nom. Celui qui est sur terre au nom de Jésus, quand nous disons au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. C'est lui qui se met à l'œuvre parce qu'il répond au nom de Jésus-Christ. Il est envoyé du Père au nom de Jésus-Christ. Alors, celui-là qui est sur terre au nom de Jésus-Christ maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Or, le Saint-Esprit est au repos. Il est tellement au repos que dans le psaume 2, la Bible dit, les rois de la terre s'agitent, ils s'accordent contre loin de Dieu, contre son Messie. Mais celui qui est assis sur le trône rit. Le Saint-Esprit rit. Le Saint-Esprit rit. Pourquoi il rit face à l'adversité? Parce que l'adversité n'a aucun impact. L'adversité n'a aucune capacité de débranler. Et il dit, ne vont ensemble, à moins qu'ils s'accordent. À moins que tu t'accordes avec le Saint-Esprit, à moins que tu le contemples dans la parole et son caractère te soit imparti, vous ne pouvez aller ensemble. C'est différent de parler de quelqu'un et c'est toute une autre chose d'avoir la présence de la personne avec soi. Il dit, à moins qu'ils s'accordent, ils ne peuvent aller ensemble. C'est ce que le prophète Amos dit et c'est poignant. Parce qu'il a dit ça pour nous. La Bible dit l'Esprit de Christ était dans les prophètes, attestant d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui va s'en suivre. Donc Amos a parlé à partir de l'Esprit de Christ. Amos a parlé à partir de l'Esprit de Christ. Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Et or, à moins que sa présence aille avec toi, il dit tu ne peux avoir le repos. Je marcherai moi-même avec vous, je vous donnerai le repos. La condition pour le repos, c'est que sa présence soit avec toi. Nous allons lire dans les psaumes, psaume 2. Ce texte que je viens de te citer, psaume 2, alléluia, gloire à Dieu. Il dit, à moins que sa présence aille avec toi, il n'y a pas moyen que tu aies le repos. Or, le repos est si important parce que notre force intérieure en Christ ne jaillit à l'extérieur qu'à la mesure de notre repos interne. Lorsque Jésus va à Gethsémané, nous arrivons à ça, soyons dans le psaume 2 d'abord. Dans le psaume 2, je vais lire à partir du verset 1, pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Comme chrétien, que ce ne soit jamais l'état de ton cœur. N'aie jamais la pensée de briser sur toi le joug de Christ. Il dit, prenez sur vous mon joug. Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. N'ôte jamais son joug sur toi. Réjouis-toi comme l'apôtre Paul d'être esclave de Jésus-Christ. Réjouis-toi d'avoir sur toi un joug qui contrôle ta vie. C'est le but du joug, c'est te contrôler. Réjouis-toi d'avoir sur toi une main toute puissante qui mène ta vie et qui te dit voici le chemin, marche-y. Il dit, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Face à l'adversité, il rit. Le Saint-Esprit rit. Pourquoi plusieurs d'entre vous pleurez face à l'adversité? La Bible dit, il rit. C'est dans son caractère de regarder l'adversité et de dire, je sais, j'ai triomphé de toi. Ma Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu réalises cela, tu ne peux le réaliser qu'avec la paix dans ton âme, qui est au repos dans ton cœur. Tu ne peux pas être troublé dans ton âme et la parole de Dieu fonctionne en toi. Il te faut être au repos en toi-même. Il te faut être en paix en toi-même. Regardons les bénéfices et la puissance du repos interne. Commençons par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 26. Matthieu 26. Avant que Jésus n'aille à la croix, il y a le célèbre lieu Gethsémané. La Bible nous montre qu'à Gethsémané, Jésus était troublé dans son âme. À partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux, Matthieu 26, à partir du verset 36. Il alla avec eux, dans un lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et il dit de lui-même avec sa bouche, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Jésus savait, tant que la tristesse, tant que le trouble dans l'âme, l'adversité qui est en face, on ne peut triompher d'elle. Pour qu'il aille à la croix, pour qu'il devienne péché, pas seulement pécheur, mais qu'il devienne péché à notre place, et qu'il triomphe de la mort, et qu'il endure tout ce qu'il doit endurer, prenant sur lui toutes nos souffrances, prenant sur lui toutes nos maladies, Jésus savait, il me faut la paix et le calme et le repos dans l'âme. Parce que ma force interne n'est totalement manifestée à son plein potentiel qu'à la mesure du repos parfait de Dieu en moi. Alors Jésus a pris toute la peine qu'il faut. Je t'invite, toi qui me visionnes, à faire la même chose. Quand tu sens le trouble dans ton cœur, le trouble dans ton âme, ne sors jamais. Si tu peux prendre cette instruction, sois béni. Ne sors jamais de ta chambre
l'âme troublée. Ne te donne jamais ce luxe de sortir de ta chambre. La Bible dit, les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort, si tu attristes ces âmes, si tu deviens pour eux une pierre d'achoppement, il valait mieux pour toi que tu ne naisses pas. Or, lorsque ton âme est troublée, des paroles de confusion et de trouble, des paroles qui ne sont pas des bénédictions vont sortir de ta bouche et peut-être même peuvent devenir des pierres d'achoppement pour une âme pour laquelle Christ est mort. Or, c'est important que tu comprennes, ne confronte pas ta journée, ne confronte jamais les obstacles, les situations de ta vie sans être certain que ton âme est parfaitement au repos. Triomphe d'elle en toi et tu triompheras d'elle lorsque tu vas les rencontrer. Triomphe de ces choses. Jésus a triomphé de la croix. Il dit, mon âme est troublée. Mon âme est saisie de tristesse. Pour la première fois, les apôtres ont vu Jésus troublé. C'était la première fois. La raison pour laquelle on se souvient lorsqu'il va sur le mont de la transfiguration, il reprend les mêmes apôtres. Il reprend Pierre, Jean et Jacques. Là maintenant encore, il va leur montrer quelque chose qui est unique le concernant. Il va leur montrer qu'il est pleinement homme. La Bible dit le souverain sacrificateur a participé à la chair et au sang comme nous. Il a été éprouvé en toutes choses comme nous. C'est pour ça que nous avons un souverain sacrificateur qui peut combattre dans nos peines. Il peut comprendre que tu as besoin de sa présence afin que ton âme ne soit point troublée. Or, bien aimé, la première bénédiction, le premier bénéfice du repos dans ton âme, c'est la capacité de relâcher totalement la puissance de Christ à partir de ton homme intérieur pour soumettre tout vent impétueux et toute mer agitée. Souvenons-nous de cette histoire. La Bible dit, pendant qu'ils sont dans la barque, après que Jésus ait dit, passons de l'autre bord, Jésus se couche et s'endort. Il ne faisait pas semblant de dormir. La Bible dit, la barque se remplissait d'eau. C'est pour rire un peu. Il t'est arrivé peut-être tout petit de faire des pipi au lit. Et tu connais l'inconfort lorsque tu sens l'humidité sur ton corps. Alors la barque se remplissait d'eau et Jésus était couché dans l'eau. Il ne se réveillait toujours pas. Ça, c'est un état de repos effrayant. Et c'est le repos qui est notre héritage. Parce que nous sommes co-héritiers du Christ. Et c'est dans cet état de repos que Jésus se lève. Et il commande à la mer et au vent de se taire, de se calmer. Et ça s'est fait. Et la Bible nous montre comment les apôtres étaient troublés. Les apôtres étaient agités. Il n'y a pas moyen que tu confrontes une situation agitée, que tu domines et que tu la soumettes. Ce n'est pas possible. Le premier bénéfice du repos de ton âme, c'est que tu triomphes. Gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 1,14. Il nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous en tout lieu répand le parfum de sa connaissance. Ce texte est clair. Ce texte est clair. Le plan de Dieu pour nous en Christ, c'est que nous triomphons toujours et en tout lieu. Et Jésus, pour triompher de la croix, va à Gethsémané et domine l'inquiétude et domine le souci. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe de douleur, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Et il s'est soumis. Et il s'est soumis. Aux instructions du Père, il s'est soumis. Il a accepté de prendre le joug sur lui. Soumets ton âme. Soumets ton cœur. Reçois le repos. Et je te rassure au nom de Jésus-Christ, cette situation va se soumettre sur ta parole. Il n'y a pas moyen qu'une voix troublée sorte de ton âme, de ton cœur, de ton esprit, de ton homme intérieur. Et que l'extérieur t'obéisse. Reçois la paix de Dieu dans ton âme. Le deuxième bénéfice d'avoir une âme remplie de paix, remplie de repos. Lisons un peu dans Jean chapitre 4. Jean le chapitre 4. Il dit dans Jean chapitre 4 à partir du verset 13. Verset 13 et 14. Jésus lui répondit parlant à la femme samaritaine. Quiconque, oh j'aime ce texte. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il dit, quiconque boit de l'eau, ce n'est pas une publicité, Tanguy, Cristal, n'importe quoi. Il dit, tu auras encore soif. Tu auras encore besoin de cette eau. Tu auras encore besoin de repartir à cette source, à cette fontaine, à ce robinet. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il y a une eau qui étanche tellement ton homme intérieur. Il y a une eau qui te satisfait tellement à l'intérieur. Au milieu de la famille, tu es satisfait. Au milieu de la nudité, tu es satisfait. Vous savez, c'est triste que beaucoup d'entre nous chrétiens croyons que la profondeur de notre marche chrétienne se mesure à l'ampleur de nos biens matériels. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien en commun. Les biens matériels sont attractés vers toi à la mesure de la paix de ton âme. Il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, que tu prospères, que tu sois en santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. C'est à la mesure de la prospérité de ton âme, de la paix intérieure de ton âme,
que les biens matériels sont attractés vers toi. La Bible dit celui qui craint Dieu, celui-là a la richesse, l'abondance, la gloire. Quand tu crains Dieu, quand tu acceptes son repos en toi, quand tu accordes ta vie avec lui, comme nous avons dit à l'émission passée, l'émission précédente, les choses viennent à toi. Elles viennent réjouir ton âme, elles viennent renforcer ta paix. Elles viennent te donner une quiétude encore plus intense. Elles viennent te rassasier, te combler d'allégresse, de bonheur. Elles viennent confirmer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Dans Jean chapitre 4, donc il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et voilà le deuxième bénéfice de la paix intérieure. Il dit, quand tu n'as plus jamais soif, quand tu es en paix à l'intérieur, la suite est, introduit une suite, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. N'oublie pas, bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Il n'y a pas moyen qu'un parent chrétien troublé produise une famille au repos. Il n'y a pas moyen qu'un parent chrétien troublé produise une famille joyeuse. Il dit, cette eau jaillit de ton homme intérieur. Premièrement, tu dois la boire. Quand tu la bois, elle épanche toute soif en toi. Elle ôte toute forme de trouble dans ton âme. Elle apporte un calme parfait. Et cette eau devient une source. Après seulement qu'elle t'ait donné la paix, le repos interne, elle devient une source. Après seulement que cette eau ait attiré ton cœur, Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer le cœur de tous les hommes à lui. Après seulement que ton cœur soit entièrement aspiré par lui et vers lui, alors cette eau que tu auras bu devient en toi une source. Et cette source, il dit, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Elle ne cesse jamais de couler. Cette source est en toi. Et tu, à ce moment-là, tu ne cries pas à Dieu. Oh mon Dieu, donne-moi la force pour confronter cette situation. Non, la source est en toi. Tu laisses qu'elle jaillisse. Et elle repulse au loin, comme il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Cette eau commence à disperser l'adversité au devant de toi, en arrière, autour de toi. Elle disperse l'adversité. Mais comment cette eau fonctionne? Le repos. C'est le deuxième bénéfice d'avoir l'âme au repos. C'est qu'une eau jaillit de ton homme intérieur, qui devient une bénédiction, qui repulse les obstacles. Tu commences à donner de ton homme intérieur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Bien aimé, jusqu'à ce que ta coupe déborde, tu ne peux rien donner à personne à l'extérieur. C'est le plan de Dieu que tu sois rassasié de repos et que de ton homme intérieur jaillit des flots de grâce, des flots de guérison, des flots de délivrance, des flots de connaissance, des flots de sagesse, ce que l'Église appelle maintenant la prophétie, des flots de connaissance, d'intelligence, des flots de conseil, parce que tu vas assister au conseil de Dieu, des flots de conseil, tu vas commencer à conseiller les nations, tu vas commencer à conseiller les dirigeants, tu vas commencer à parler dans des situations. Pourquoi? À cause du flot de la grâce, du repos interne. Une âme troublée est manipulée par ses besoins. Une âme troublée est contrôlée par ses besoins. Oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu qui me suit. Une âme troublée n'est contrôlée que par ses besoins temporels. Voilà pourquoi tu dois comprendre le troisième bénéfice du repos dans ton âme. Il dit tu prospères. Mais tu ne prospères pas jusqu'à ce qu'à l'intérieur tu prospères. La prospérité en Christ est mise en toi. Elle ne vient pas des manipulations externes. Elle ne vient pas des connexions externes. C'est triste que plusieurs d'entre nous croyons que tu prospères parce que tu connais tel ou tel, tu es connecté à tel ou tel. Cette abondance qui vient des connexions humaines te déforme et te dénature. Il n'y a que les esclaves qui ont leur destin dans la main des hommes, leur maître. Il n'y a que les esclaves. Nous les fils, notre destin se trouve uniquement dans la main de Dieu, uniquement. Et c'est le plan de Dieu que tu vives une vie indépendante, insoumise à personne, avec une autorité en toi-même. Pourquoi? Parce que ton pain est mangé dans les mains du Seigneur. Tout ce que plusieurs appellent prospérité et qui vient de l'extérieur de diverses formes de connexion, de troubles, de ruses, de manipulations, ça finit par le crash de l'âme. Le crash de l'âme. Le crash. J'aime ce mot parce que ça convient bien. Le crash. Comme un avion s'éclate au sol. Ça finit par le crash de l'âme. Et c'est important comme chrétien que maintenant, étant averti par la parole, tu fuis ce crash. La Bible dit, plusieurs n'ayant pas prêté attention, se sont donnés à de vaines vanités et ont craché, leur âme ont craché. Je commande, ton âme ne crachera jamais. Parce que tu écoutes la parole et tu la reçois, tu l'acceptes, elle est semée en toi comme une bonne semence qui produit de bons fruits. Jamais au nom de Jésus-Christ, ton âme ne crachera. De ton homme intérieur va jaillir des flots.
des flots qui vont répulser au loin l'adversité, des flots qui vont amener la gloire de Dieu à manifestation en toi et autour de toi. De ton homme intérieur va jaillir toutes sortes de richesses parce que tout est en toi. Tu imagines un seul instant, la Bible dit, voici comment nous savons que Dieu habite en nous, 1 Jean 3, 17. 1 Jean 3, verset 14 à 17, il dit, c'est qui nous a donné son esprit. Si le créateur, propriétaire, dominateur de l'univers, et comme j'aime dire, habite en toi, tu imagines que c'est ton destin et tout ce qui porte ton nom qui ne demeure pas en toi, ça demeure en toi. Mais ça demeure à toi en l'état de semence. La Bible dit dans Actes 20, 32, je vous confie à Dieu, à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous sanctifier et de vous donner votre héritage. Ton héritage est dans la parole. Ton héritage n'est pas dans les mains de quelqu'un. Je veux ouvrir de grands yeux et te regarder. Alléluia. Ton héritage n'est pas dans les mains de quelqu'un. Ton héritage est dans la parole. Cesse de laisser la parole à la maison et de courir de gauche à droite, fatiguer ton corps et ton âme à la quête de quelqu'un qui va te prêter de l'argent, quelqu'un qui va tendre sa droite et te secourir. Cesse! Tu fatigues ton âme. Tu fatigues ton âme. Tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne requiert le secours de personne. Il ne court pas à gauche à droite. La Bible dit que c'est le méchant qui n'a pas de paix dans son âme. Oh, tu n'es pas un méchant, tu es un fils de Dieu. La Bible dit comme des enfants obéissants, tu es un enfant obéissant. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit nous qui ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Tu ne marches pas selon la chair, tu marches selon l'esprit. Il dit maintenant, acte 20, 32, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Oh, ça c'est la parole de sa grâce. Cette parole n'est que grâce. Qui a la puissance, la parole de la grâce a la puissance d'édifier. Édifier veut dire bâtir. Édifier, c'est bâtir. Comme on bâtit de grands immeubles, la parole te bâtit à l'intérieur. Tu peux être petit de stature, c'est pourri. Tu peux être petit de stature comme moi, mais à l'intérieur, tu es plus grand que l'univers. Tu peux confronter la terre entière et l'écraser et la broyer. Le monde peut venir contre toi et tu passes à la moulinette. Tu écrases. Parce qu'à l'intérieur, tu es édifié, tu es bâti, tu es géant. Tu es un conquérant, tu es invincible, tu es indéboulonnable. La terre s'ébranle et tu restes intact. Rien ne t'émeut, rien ne te bouge. Oh, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteint. Tu es inébranlable et c'est ce que tu es. Je commande que tu sois inébranlable parce que la parole t'édifie. Et la Bible dit, elle a le pouvoir de t'édifier et de te donner ton héritage. Pas n'importe où. Parmi ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part par la parole. Parce que c'est la parole qui te sanctifie. Jésus dit déjà, vous êtes sanctifiés à cause de la parole que vous avez reçue. Tu es sanctifié maintenant parce que tu acceptes la parole. Elle purifie ton âme, elle te met à part. Tu écoutes le pain qui vient du ciel. Cette parole n'est pas d'ici-bas. Lorsque les anges viennent annoncer la venue de Jésus, ils disent, oh gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Il n'a pas dit paix dans les cieux. Parce que la paix y abonde déjà. Il dit paix sur la terre. La venue de Jésus-Christ annonce la paix sur la terre pour qui? Pour ceux qui l'agrèvent. Qui sont ceux qui l'agrèvent? Ceux qui l'ont prédestiné d'avance. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Je parle de toi, je parle de moi. Donc la paix sur la terre, oui, sur cette terre qui est hautement troublée, cette terre qui est hautement inquiète, la venue de Jésus-Christ donne la paix. À une génération dont tu fais partie, toi et moi, au milieu des eaux les plus troublées. Je commande la paix dans ton âme. Je commande la paix. Si tu peux tendre ta main posée sur la mienne, sur ton écran, je commande la paix dans ton âme. Que tu boives cette eau, qu'elle t'abreuve, qu'elle te rassasie, que tu sois visité dans ton cœur. Oh bien, mais que les bénéfices du repos de l'âme commencent à jaillir de ta vie. Qu'il n'y ait aucun souci en toi. Que face à l'adversité comme Dieu, que tu t'asseignes et que tu ris. Oh, oui, assois-toi et ris. Ça fait longtemps que tu n'as pas ri. Maintenant, ris. Ah! Hey! Alléluia! Maintenant, ris. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas réjoui. Maintenant, sois transporté d'allégresse. Et bien aimé, cette allégresse amène la joie et la guérison dans ton corps. Tu es malade, touche ma main. Au nom puissant de Jésus-Christ, où ce feu flotte et ce feu t'inonde. Ce feu guérit ton corps. Oui. Ça fait 3 fois qu'on t'a opéré. 3 fois. Je suis clairement 3 fois. On a essayé de libérer tes troncs, mais ils n'ont pas pu. Parce que maintenant, quand on te parle d'opération, il n'y aura pas une 4e opération. Je pose ma droite, Marceline. Oui, merci Seigneur. Je pose ma droite sur tes troncs. Ta trompe droite. Ta trompe droite. Je pose ma droite dessus. Et je libère ta trompe. Je la libère au nom de Jésus-Christ. Je la libère. Ça t'a donné beaucoup de soucis.
Oh, en fait, je pose mes mains sur tes deux troncs, la gauche et la droite. L'Esprit de Dieu, depuis que je dis la droite, il me dit la gauche, il me dit la gauche. Je pose mes mains sur tes trompes gauche. Alléluia. Et je commande la paix dans tes trompes. Je libère tes trompes maintenant. Le feu de l'Esprit inonde tes trompes et les libère. Oui, le feu de l'Esprit libère tes trompes complètement. Le flot de son feu, de sa puissance, libère tes trompes. Je commande que tu progresses dans la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois quelqu'un avait des difficultés à respirer. Ce démon te saisit. De temps en temps, tu as du mal à respirer. J'impose mes mains sur ta poitrine. Elle ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je commande que tu respires maintenant correctement. Sois guéri dans ton corps. Que j'ai mentionné ton cas ou pas, sois guéri dans ton corps. Jésus a dit même les miettes qui tombent suffisent. La dame a dit, oh, les miettes qui tombent de la table suffisent, les chiens mangeront cela. Bien-aimé, que ton cas soit cité ou pas, reçois cette prière avec foi, sois guéri. De la tête à la plante, de tes pieds, dans tous les organes et les flots de ton corps, sois complètement libéré au nom de Jésus. C'est le plan de Dieu que tu sois en santé. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça aussi qu'il a souffert, que tu sois en santé. Maintenant, reçois la guérison dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre, je te déclare guéri. Celui que le Fils libère, réellement libre. Et il a fait de nous des fils de Dieu. Je te libère! Et tu es complètement libre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse d'avoir suivi cette émission.